Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment communiquer entre deux appareils avec une connexion Bluetooth. En l'occurrence, nous allons utiliser SUSE App Inventor deux smartphones et nous allons échanger entre les deux les données de l'accéléromètre, comme si c'était des manettes de jeu. Vous pouvez naturellement utiliser cette technologie avec d'autres appareils, en particulier pour communiquer entre un smartphone et un appareil de type Arduino ou équivalent. Alors, ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que le protocole Bluetooth est le protocole Bluetooth Low Energy qui a été défini assez récemment pour les objets connectés à très faible consommation. Eh bien, ces deux protocoles ne sont pas tout à fait équivalents et nous ne traiterons donc pas ici du protocole BLE, Bluetooth Low Energy, mais uniquement du protocole Bluetooth. Alors, dans notre exemple, eh bien, on se connecte sur deux téléphones. L'un en mode serveur et l'autre en mode client. On met le serveur en attente de connexion et le client va sélectionner le serveur pour initialiser la connexion. On appuie ensuite sur le bouton envoyé de part et d'autre pour vérifier que les données de l'accéléromètre apparaissent bien sur le second téléphone. Et bien, c'est cette application que nous allons développer. La première chose que l'on va faire avant même de se connecter à App Inventor, c'est d'appairer ou d'associer les deux smartphones, exactement comme vous appairez ou vous associez votre smartphone à une oreillette Bluetooth ou votre smartphone à votre voiture pour avoir la fonction main libre. Alors, pour vous montrer l'association ou l'appairage, j'affiche ici deux téléphones qui sont de Nexus 5 sous Android 6. Et je vais commencer par activer le Bluetooth sur l'écran de droite. Donc je clique sur l'icône des paramètres, puis sur Bluetooth et j'active le Bluetooth. Je vais ensuite vérifier le nom de cet appareil et je vois qu'il s'appelle Nexus 5 Pierre. Alors si je regarde cet écran, je vois qu'il y a trois périphériques qui ont déjà été associés et un appareil Bbox qui est seulement détecté. Le deuxième smartphone, celui de gauche, n'apparaît pas dans la liste. Je vais donc activer le deuxième téléphone à gauche en cliquant sur l'icône des paramètres, puis sur Bluetooth. Et je vais activer Bluetooth. Ensuite, je vais vérifier son nom et je vois qu'il s'appelle Nexus 5 Martin. Si je reviens maintenant au téléphone de droite, je vois maintenant que Nexus 5 Martin apparaît dans la liste des appareils détectés. Je clique dessus pour l'associer. Et après quelques secondes, je vois deux écrans apparaître et je clique sur Associer. Mes deux téléphones sont à présent associés et je vais pouvoir les utiliser sous Bluetooth avec App Inventor. Je vous signale que si vous en avez besoin, vous pouvez accéder à l'adresse Bluetooth du téléphone en cliquant sur Paramètres, puis tout en bas sur À propos du téléphone et sur État. Et vous voyez alors l'adresse du téléphone, en particulier l'adresse Bluetooth qui est indiquée ici. Voilà, les téléphones sont associés. On va maintenant pouvoir écrire un programme sous App Inventor pour échanger des données via cette connexion Bluetooth. Alors, ce programme, on va le réaliser. En fait, je l'ai déjà réalisé et je vais vous le présenter en commençant par la partie design ou interface utilisateur et en poursuivant avec la programmation pour arriver enfin au test. Alors, c'est mieux si vous codez vous-même ce programme. Mais vous trouverez dans le cours à l'adresse indiquée ici le code source ou l'adresse du code source de l'application elle-même que vous pourrez compiler directement dans App Inventor. Alors, dans un échange Bluetooth, il y a un client et un serveur, mais notre application, elle va nous permettre de répondre aux deux. On va donc choisir des composants non visibles ou des composants de service qui comprennent un composant Bluetooth serveur, un composant Bluetooth client, et deux horloges, un pour chacun, dont on aura besoin pour cadencer les envois. On va aussi ajouter un notificateur pour les messages et un accéléromètre dont on enverra les données. Dans l'interface utilisateur, on met d'abord deux boutons pour décider si on veut intervenir comme client ou comme serveur, et ensuite une zone de texte dans laquelle on va indiquer la cadence en millisecondes à laquelle on va envoyer les messages. On aura ensuite deux zones de texte ou deux zones d'affichage. Dans la première, les messages reçus, on affichera les messages reçus de l'autre appareil. Et dans la deuxième zone, en bas, on va afficher les erreurs et on affichera aussi le statut quand on en a besoin. Quand on clique sur le bouton client, eh bien, on affiche l'interface correspondant dans un arrangement vertical
avec trois boutons, un qui permet de sélectionner le serveur Bluetooth et les deux autres qui permettent de démarrer et d'arrêter les envois de messages. Si on clique sur le bouton serveur, eh bien on affiche l'interface correspondante avec trois boutons, un pour accepter la connexion ou se mettre en attente des demandes de connexion des clients et les deux autres pour démarrer et arrêter l'envoi des messages. Dans les deux cas, les messages envoyés sont les données de l'accéléromètre et la cadence d'envoi, c'est le nombre en millisecondes qu'on a affiché au-dessus. Alors, tout ça n'est pas très original, on va s'intéresser maintenant à la programmation. Et on va le faire en mettant à gauche la partie client et à droite la partie serveur. Donc, la première chose que l'on fait, c'est de cliquer sur le bouton client ou sur le bouton serveur. Si je clique sur le bouton client, je vérifie que le composant Bluetooth est actif et si ça n'est pas le cas, je mets un message. Si c'est le cas, eh bien je masque le choix et j'affiche l'interface correspondant au client. Et je fais la même chose si je clique sur le bouton serveur, je vérifie que le composant correspondant est actif et j'affiche l'interface. Alors maintenant, on va se mettre en attente d'une demande de connexion du côté du serveur et du côté du client, on va sélectionner une liaison Bluetooth dans la liste des serveurs et on va lui envoyer une demande de connexion. Si tout se passe bien, le serveur accepte la connexion et ça déclenche un événement, connexion acceptée, à la suite duquel le serveur renvoie un message, connexion acceptée par le serveur. Du côté du client, l'acceptation de la connexion se traduit par le fait que la demande de connexion renvoie la valeur vraie. On va donc faire les choses suivantes. Premièrement, on envoie un message au serveur pour lui dire qu'on s'est bien connecté. Deuxièmement, on masque la liste des serveurs. On affiche le bouton de déconnexion. On active l'horloge pour envoyer des messages à une cadence régulière. Et enfin, on affiche connexion réussie dans le label des statuts. De la même manière, on a activé le chronomètre du côté du serveur. On va maintenant s'occuper de la déconnexion. Alors, avant de le faire de chaque côté, on va envoyer un dernier message pour prévenir et on appelle ensuite la fonction de déconnexion du client et du serveur. On affiche cette information dans le label et on rétablit l'interface en mode connexion. On va maintenant s'occuper du script du bouton envoyer. De la même manière, des deux côtés. Quand on clique sur le bouton envoyer, on commence par relire la cadence à laquelle on va envoyer des messages dans la zone de texte et on le met dans l'horloge. Ensuite, on remet à zéro la variable nombre de messages à envoyer et puis on dit que l'envoi en cours, la variable envoi en cours, passe à vrai. Dans le script du bouton arrêter, on va remettre cette variable à faux. Enfin, on va gérer l'envoi et la réception des messages à chaque déclenchement de l'horloge ou du chronomètre à l'intervalle qu'on a vu plus haut. On va d'abord tester pour l'envoi si la variable envoi en cours est vraie. Si oui, on incrémente de 1 le nombre de messages et on effectue l'envoi. Le message lui-même étant calculé par la procédure message à envoyer que l'on verra tout à l'heure. Pour la réception, on vérifie la connexion et la réception d'octets et s'il y en a, on appelle la procédure affichée avec les octets qui sont arrivés. Alors, vous aurez remarqué qu'on fait la même chose des deux côtés, mais le composant Bluetooth client et le composant Bluetooth serveur n'est pas le même, donc il faut bien deux filières différentes. Pour finir les événements liés à la connexion Bluetooth, eh bien, on va afficher les erreurs dans le label status quand elles se produisent. Alors, les deux procédures qu'il nous reste à voir sont les procédures qu'on a appelées plus haut, dont la procédure message à envoyer qui va calculer chacun des messages à envoyer, avec le numéro du message qui est incrémenté de 1 à chaque fois. Ensuite, un temps ou une heure en millisecondes, mais limité à 100 secondes, qui va nous permettre de voir à quelle vitesse les messages sont transférés. Et ensuite, les valeurs de l'accélération en X, en Y et en Z, suivies finalement d'un retour à la ligne, ce qui nous permettra d'avoir un affichage plus pratique. La deuxième procédure, c'est la procédure affichée. Alors ici, j'affiche les données dans l'ordre inverse où elles sont reçues, c'est-à-dire que je rajoute chacun des messages reçus au début de ce qui a déjà été reçu. Donc ça, c'est pas très catholique quand même, mais c'est quand même bien pratique pour visualiser les données. Enfin, et c'est vraiment les derniers blocs,
Je traite deux événements. Quand je clique sur le bouton Status, eh bien, j'affiche l'état de la connexion Bluetooth. Et quand une erreur se produit, eh bien, j'affiche les informations correspondant à cette erreur. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir tester. C'est pas trop tôt. Alors, je lance l'application des deux côtés. Un en serveur, l'autre en client. Je mets le serveur en écoute et du côté client, je sélectionne le serveur avec lequel je veux communiquer. Il me répond que la connexion a été effectuée, donc tout va bien. Je vais maintenant envoyer depuis le serveur. Les données sont reçues depuis le client. J'essaye à nouveau depuis le client et ainsi de suite. Je peux même envoyer des deux côtés en même temps. Alors ça y est, votre connexion Bluetooth fonctionne. Vous allez pouvoir créer vos jeux, vos applications. Envoyez-les-moi à l'adresse email qui est indiquée en dessous. Alors par exemple ici, on colorise un téléphone en fonction des déplacements de l'autre. Allez, bon codage et à plus.